Hey, salut à tous, c'est Saran. Je suis avec Lise. Aujourd'hui, on a acheté plein de trucs. C'était bien, on a trouvé plein de trucs. Trop bien. On est content. Montre. C'est là, imaginez. Des livres, des jeux, des figurines. Imaginez, on en a plein. Voilà. Bon, on commence par ça parce que c'est une belle paire de couilles qu'a acheté Aurel. Il assume pas, il veut pas nous la montrer. Ça fait un bruit, c'est moi. Bah, c'est une sonnette un peu. Allô? C'est un peu obligé de faire du bruit. Donc c'est pour décorer leur boutique à la con. Sans la payer. 1 euro. Putain, j'ai une voix de chèvre. Ben. On continue avec. Baisse l'éclair à la rescousse. Celui-là parle. Par là. Vers l'infini et au-delà. Ça c'est pour marcher. Et ça c'est pour voler. Waouh. Ça on l'a payé 2 euros. Dans le même style un peu, une figurine de Iron Stark. Il voilà. Est cool mais il manque la pièce. Ça on l'a payé 2 euros, c'est Iron Man Dubstep. On continue avec Ponyta. Un petit poney. Ponyta de Pokémon. C'est un vieux jouet en bois. J'aime le bois et le poney. Et donc et tu as acheté ce poney. On l'a eu à 2 euros aussi. 2 euros le poney. On continue avec un jouet qu'a trouvé Sandar. C'est un Batman sur sa. Comment elle s'appelle sa moto? Ça s'appelle une Batpod, nous a dit Aurel, car Aurel a internet. C'est téléguidable, il y a une petite télécommande. Et c'est la fameuse moto qu'il y a dans Batman avec sa fameuse roue qui tourne dans l'autre sens. On l'a payé 2 euros, je crois. Ce serait la brocante des 2 euros. Ça, c'est un cadeau qu'on a fait à Sarah. Ouais, c'est une Hello Kitty princesse. Elle est cool en plus, elle est grosse. Et j'irai pas le prix vu que c'est un cadeau. Là, on l'a trouvé du coup 5 euros avec la boîte. Le vieux jouet allemand en bois. Et il est vraiment, vraiment trop mignon quoi. Des petits jouets allemands. Un Weihnachtsmann. Donc tu mets quoi dessous pour que tu ça mets fume? Des cônes d'encens. Une bouche en forme de pipe là. Il y a une bouche à pipe, on peut le dire. Une bouche à pipe. Et la fumée sort par là du coup. Il est dans un petit train. Dernier cri. Bicolore le train, lissé à la main, avec la petite clochette, rectiligne, longiforme, 50 centimes. Et un tas de cartes Pokémon, c'était vendu en lot, il y en avait qu'une qui l'intéressait. La nana lui a dit non mais c'est 20 centimes, le lot. Il y avait un aéromite en rare. Voilà, c'est mieux. Un métamorphe en rare reverse, peut-être une holo, je ne sais pas. Moi j'ai chopé Le Petit Prince, 1 euro. L'Appel de Cthulhu. C'est le livre de règles de base. 1 euro. C'est un bouquin que j'ai lu il y a longtemps, j'étais contente de le retrouver, je l'ai lu à 20 centimes. Un lot de manga, de Samurai Champloo, Compte Kane, 4 euros le lot. Des DVD qu'on a choisi. 1 euro Tron, 2 euros Inception, 3 euros Jurassic Park, le coffret de 4 DVD avec les 3 films, et un bonus. Superman, Batman, Apocalypse, et Walt Disney. L'histoire de sa vie. Veuillez nous excuser pour l'interruption involontaire de ce programme. Mais nous tenions à vous informer que si cette vidéo est incompréhensible, c'est parce que c'est Lise qui joue dedans et Sandar qui l'a montée. Cordialement, AS Family. Continue avec ça, ça c'est notre cher ami Aurel. Aurel qui, comme c'était des vide-greniers pour le Téléthon, il a décidé de prendre des livres pour d'handicapés. Apparemment c'est des bouquins un peu enfantins. D'accord, ça a été écrit pour les enfants. 5 euros les deux, ça vaut 18, 50. Je monte vite fait, c'est très rapide, du 20 centimes. Un petit fluide glacial. Puis ça c'est trop cool, c'est un joypad. C'est les Solus complètes de Final Fantasy X, août 2002. Sur le stand où vous avez acheté des bouquins là, oui. Vous avez acheté le livre de règles. Moi j'ai acheté Donjon de Lewis Trondheim et Johan Svar. Là c'est plein de livres de règles que je vais pas vous montrer. C'est des extensions au livre de règles de base. Donc par exemple celui-là, Terror Australis, édition jeu des cartes. C'est de 87. J'ai pris Lazarus Jack, un comics que je connais bien. Ça, Pedro et moi, tout ça, je les ai payés 1 euro pièce. 1602, qui est un Marvel que je connais pas. L'album du film Le Retour du Jedi, c'est le livre qui raconte... Le film. Tout ça, c'était 1 euro, mais nous a fait un prix. J'ai trouvé sur un autre stand Chantal Montelier, pardon, Rupture. C'est une BD, donc on a payé 1 euro aussi. Humanoïde Associé, je vous en ai déjà parlé dans 10 000 vidéos. C'est une espèce, c'est un peu fantasy SF, et c'est super cool. Je trouve ça super beau, en fait. Ça, c'est trop cool. Et Saran et Sandar, ils nous ont offert ça. Et c'est un flipper Toy Story. C'est pas un flipper de compète, mais c'est rigolo, c'est un jouet, c'est sympa comme tout. Ça, c'est 4 livres qu'a trouvé Sanda. 6 euros le lot. C'est de Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, Journal Intime, Festival de la Couille, 9, et Berceuse. On continue avec une BD que j'ai trouvée, que j'adore. C'est Serre. J'ai déjà Serre bricolage, Serre le sport. Là, c'est Serre la bouffe. Et t'as le Serre tête aussi? Non, mais j'ai le Serre livre. Et le Serre berre? Et le Serre d'aigle? Le Serre volant. J'ai le cerveau là-bas. Céramique? Serrure. Mais Séraphin non plus. Mais celui-là, en tout cas, c'est la cerise sur le gâteau. Pour vous montrer un peu le style de dessin. On continue avec des jeux. Là, on est sur un jeu de 3DS. Inazuma Eleven 3, feu explosif. 2 euros le jeu. 3 jeux de DS. 2 euros pièce aussi. Dead and Furious. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un jeu d'horreur, un tas de moins de 16 ans. Il est complet. Sandar nous a dit qu'elle savait ce que c'était. C'est comme Fast and Furious, mais avec des zombies. Professeur Layton et la boîte de Pandore. On continue avec malheureusement un jeu qui n'est pas complet. Il manque la notice. Totally Spies 2 Undercover. Toujours
toujours dans la brocante des 2€. No More Heroes sur Wii. Red Steel, aussi un gros classique. En complet. Deux jeux de Nintendo GameCube. Ah, j'ai négocié 1€ les deux. Mario Golf, Toadstool Tour et ta dégueulasse. Pareil, Bob l'éponge. Sauf que dedans. Donc Bob l'éponge, c'est Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. Mais sur GameCube, c'est trop génial. Et le Mario Golf Toadstool Tour, c'est Luigi's Mansion le premier. 1€ Just Dance 2 sur Wii avec la version. Avec la version hologramme. Deux jeux de PS3 payés 3€. Infamous 2 en version un petit peu collector sympa. Et Soul Calibur 4. On continue encore avec des jeux vidéo. Des jeux de PS2 payés 1€ pièce. Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Melee. Ils sont tous complets les jeux. Grand Theft Auto Liberty City Stories. ATV Hot Rod Fury 3. Un jeu de quad. Gadget and Gadgetinis. Hulk Sword of Destiny. Gros classique de la PS2. Je l'ai pris malgré qu'il n'y ait pas le jeu dedans. Inspecteur Gadget. Go Gadget de chapeau. Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Mais je savais même pas que ça existait sur... C'est trop bien. Là, il y a beaucoup de comics. On a acheté 50 balles de comics. Il a fait une petite sélection. Marvel Zombie. Le bassiste de Kiss qui a fait ce bouquin. Écrit. Miss Hulk. Wolverine Hulk. Oui. L'aventure de l'araignée au secours des Vengeurs. Et l'aventure de l'araignée, c'était grand. The Last Temptation. Alice Cooper. Moonwalk by Michael Jackson. Voilà, son autobiographie. Version collector, 5€ pièce. On a bientôt fini. J'ai trouvé beaucoup de vinyles. Mais je vais pas vous les montrer parce que c'était dans un truc spécialisé dans les vinyles. 15 balles le vinyle. Celui-là, non, on l'a trouvé en ville 1€. C'est AA. Ça, c'est un cadeau de Lise. C'est Spawn. C'est une vieille adaptation. On continue avec pas mal de 45 tours. Un David Bowie 1€. Let's Dance 1€50. David Bowie. This is not America. When the Wind Blows de David Bowie. Toujours donc dans les mêmes prix. On continue avec 3 vinyles négociés à 2€ les 3. Très mauvais état. Mais les vinyles en eux-mêmes sont en très bon état. Angie des Rolling Stones. Aphrodite's Child. Et ça, je suis super content. We Will Rock You de Queen. Et là, je finis avec un truc. C'est un truc que j'ai trouvé pour Sandars. Je sais que ça lui fera plaisir. C'est le collector d'Alorich sur Xbox 360. Y a pas grand chose comme contenu dedans, mais ça reste une édition collector sous blister. Du coup, c'est tout. On vous fait plein de bisous. Bien sûr, vous tous les gens, on vous aime fort. Merci de nous regarder. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, mes gants. Mes gants, je dis mes gants.